ce non-respect du droit international. Mais de quoi faut parler de non-respect du droit international? Pardon, on n'est pas dans le non-respect du droit international. Terminé, puis vous répondrez. Une invasion sans précédent par des mecs arrivés à trois sur des motocyclettes. Par deltaplane, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont encore une fois éviscérées, qui ont tué des enfants, qui ont brûlé des familles entières, et vous me parlez du droit international. Oui, je vous parle. Lorsque le Hamas sera en effet brisé, lorsque le peuple palestinien sera libéré de la dictature du Hamas, alors là, naturellement, il faudra parler de ce qui se passera après. Et il faudra parler d'une solution politique raisonnable et juste pour chacun. Mais c'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez des familles endeuillées. Vous avez des familles d'otages qui défilent tous les samedis.